le drapeau national pourrait peut-être retrouver son éclat d'antan. Du fond de notre préhistoire numérique, des archéologues ont exhumé des traces d'amour-propre français. Leur découverte est grandiose. This is the Concorde, the Air France SST, fastest passenger plane in the world, depends a lot on computers inside there. This is the TGV train, French acronym for very fast train, fastest train in the world, depends a lot on computers to run that. This little thing here is a smart card, French invention, a computer chip built into a credit card. These are all examples of French computer technology, areas in which the French are leading the world, in fact. Is there some danger that we, in this country, are losing our role as world leaders in technology? Oui, la France a dominé le monde technoscientifique. Et dans l'espoir de briller à nouveau, les Français ont fait appel à la science la plus extrême, la science politique. De ces tubes à essai est né un Janus présidentiel à deux visages, Dr Bling Bling et Mister Normal. Un même corps républicain pour deux âmes en chien de faïence. Entre sans Bling Bling et corps normal, entre épicurisme et joggisme, entre flambe et flambie, quelle chimie pourra redonner à la France le goût sucré de la suprématie? C'est le 4 juillet prochain, dans le temple de la rue Saint-Guillaume et sous le haut patronage arbitral de deux apôtres de la science politique, deux titans de la fierté française, David Abiker et François-Xavier Demaison, que vous serez invités à mener cette profonde réflexion d'ensemble. La France, la science et l'histoire comptent sur vous.